Dites-moi un duo de films iconique pour toi. Mr. and Mrs. Smith. Un duo de sauces qui vont très bien ensemble. Harissa blanche. Ou algérienne, blanche algérienne. Plus algérienne. Dans les cordas, c'est ce que j'ai répondu, merci. C'est le sud, ça. Ton double album coup de cœur. Comment il s'appelle ce projet de Niro, là? Ah oui. Où il est plusieurs sur la cover. Ouais, genre. Il y a deux scuds dans celui-là, je crois. Celui, il y en a trois, même. Il y a Printemps Blanc dedans. Ouais, genre Oxy, Mort. Et genre, en fait, c'est double cover, il y a un oiseau. Non, pas celui-là. C'est pas ça? Non, c'est celui où lui, il est en plusieurs sur la cover. Ah, ça, il y en a qu'un, ça, c'est les autres. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce projet. Un duo de sap qui match très bien pour toi. Un duo de sap, les crop top et les baggy. Logique. Un duo de sons aussi, genre deux sons que tu kiffes play l'un après l'autre. Ça tombe bien, parce que dans mon projet, il y a plein de trucs qui s'enchaînent. Du coup, on va dire l'enchaînement des Stems et du Love avant que ça ne fane, pas assez dedans. Monstrueux. Et puis ton duo, genre une star que quand tu l'entends parler ou quoi, tu te dis en fait je ressemble trop à ce gars ou à cette meuf. Oh God, mon binôme de rêve, au choix, Nati Peluso ou Rosalia. Un pays où t'aimerais aller en duo. Argentine, on reste pas loin, Argentine. Un truc que tu pourrais faire pendant 2 heures. Du son. Un truc que tu pourrais faire pendant 2 jours. Du son. Un truc que tu pourrais faire pendant 2 semaines. Toujours. Un truc que tu pourrais faire pendant 2 mois. Je vais peut-être être fatiguée, mais ça fait 8 ans que je fais ça, donc... Et non, pendant 2 ans, sinon. Mais genre tout le long. Ouais, c'est genre vraiment un truc que tu vas te focus vraiment là-dessus pendant 2 mois, quoi, tu vois. Bah, du son, de la danse. Et un truc que tu pourrais faire pendant 2 ans, carrément. Pareil. J'ai pas prévu de faire autre chose, là, tu vois, donc... Que pour ça. Ouais. Et puis, comme c'est la double interview, bah, du coup, on va reprendre toutes les questions avec un penchant un peu... Oh, waouh. Moi, je suis une hater, faut pas me mettre sur des trucs comme ça. Du coup, ton duo de film que tu supportes pas ou dans une série. Un duo qui marche up. Attends, je sais même pas comment il s'appelle. J'ai les X-Men, mais c'est pas du tout les X-Men. Oui. Putain, t'as deviné. Deux sapes qui te vénèrent. Bob Bermuda, fait chauffer. Hein. Un groupe en duo aussi qui te fout la haine. Je sais pas, je m'attarde pas sur ce que j'aime pas. Franchement, SCH Booba, j'imagine pas. Un pays du coup où tu retournerais pas 2 fois. La Laponie. Cash, trop froid. Impossible. Ok. Waouh. C'était beau, hein, mais une fois ça suffit. Ah ouais, non. Paris, c'est trop pour moi. Imagine la Laponie en décembre. Une star ou une personnalité qui serait un petit peu ton double maléfique. Ah, actu en ce moment. Koé, pas mon binôme. Va te faire foutre. Et enfin, un truc où t'as un petit peu un toc, un truc que tu vas faire toujours 2 fois. Je crois les clés, hein. Les clés fermées, tu sais, clés, lumière, les trucs de tu reviens. Parce qu'en plus, j'ai une porte, quand elle se ferme, si tu fermes pas avec les clés... T'es obligé d'aller chercher les clés chez ton proprio, tu vois. Okay. Et du coup, je suis tout le temps au dernier moment. Genre, je vais pour fermer la porte, mais je suis là, je vérifie quand même 2 fois. Genre, est-ce qu'elles sont même sur le trousseau, les clés? Ça va loin dans le toc. Quel bien coupé. C'est la double.